aujourd'hui, on se retrouve pour notre troisième, quatrième journée. On est à Fournage. Bon, actuellement, on est au Miradouro Pico do Ferro qui donne du coup une vue magnifique sur le lago d'Ashfournage. Et on peut apercevoir tout en bas aussi les petites fumerolles, puisque Fournage c'est connu pour avoir en fait des petites sources chaudes et donc des petites fumerolles. Et il y a une cuisine en plat traditionnel qui s'appelle le cosidoche qui est cuit du coup dans ces petites sources chaudes. C'est enterré en fait dans la terre, et comme c'est très très chaud, en fait c'est comme un four, et sauf que c'est naturel. Donc on va essayer de regarder ça cet après-midi. Et là, pour l'instant, avant d'atterrir du coup à Fournage, on est sur ce fameux mirador qui donne une vue magnifique sur la vallée et sur le lac. Je vous ferai une petite vidéo juste après pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais j'ai hâte de découvrir cette petite ville. Il y a des petites randonnées aussi à faire dans les alentours, donc ça a l'air sympatoche. Et puis ma foi, on va essayer de découvrir ça. Je sais qu'il y a des bains publics et il y a aussi un endroit apparemment où on peut se baigner. Donc c'est de l'eau qui est très jaune, qui peut salir le maillot de bain. Ça peut donner une forme rouille après pour la première utilisation, donc il faut faire attention. Mais le cadre a l'air hyper beau. Donc on va essayer de se baigner, voir ce que ça donne. Je crois que l'entrée elle est de 8 €, donc je vous tiendrai au courant. Et on se retrouve juste après du coup pour vérifier ça. Alors du coup là on se retrouve dans le parc Terra Nostra, qui est un parc comme vous pouvez le voir très très beau, très très grand. Il y a plein d'espèces de végétation, de plantes endémiques et qui viennent aussi d'Afrique, d'Amérique du Nord, du Japon par exemple. C'est trop beau, il y a à voir partout, il a l'air immense ce parc. Et il y a du coup un jacuzzi d'eau naturelle ainsi que un lac de couleur jaune que je vous parlais tout à l'heure, qui permet de rendre en fait les maillots de bain rouille, de couleur rouille plutôt, parce que ça c'est jaune quoi, donc ça colore vachement. Mais on va tester ça, l'eau elle a l'air chaude et ça a l'air trop bien. Allez, et bienvenue dans les lacs de Fournage, hein. L'eau elle est hyper chaude et c'est trop bien. Bon les gars, pour terminer donc cette journée à Fournage, après avoir testé donc les deux bains, donc ceux de Terra Nostra et ensuite on est allé à ceux de Pozzo Donabda Beija. C'est totalement différent, c'est un petit peu plus petit l'autre, mais c'est totalement différent, donc vous verrez sur les photos. Je n'ai pas trop fait des vidéos au dernier parce qu'il y avait beaucoup de monde et du coup je me suis dit c'est un peu gênant. Là, comme vous pouvez le regarder tout autour de moi, il y a plein de fumée. Ce sont les fumerolles de Fournage. Donc ça pue énormément, c'est pour ça que là j'ai mon masque, parce que ça sent l'œuf pourri, c'est horrible. Mais c'est hyper stylé, c'est assez beau du coup, et ces petites fumerolles de Fournage comme je vous expliquais auparavant, ça permet aussi donc de garder de la chaleur, et il y a des endroits où on peut du coup cuisiner. Et du coup le plat typique d'ici c'est le cosidoche, puisque comme c'est très très chaud,
ça remplace le four et du coup bah voilà. On va essayer d'aller dans un autre endroit où il y a des fumerolles pour voir un petit peu ce qu'il en est, mais en gros c'est cette atmosphère là. Et bah c'est stylé, c'est juste que ça pue la mort. Mais sinon c'est hyper stylé. Donc voilà, on finit la journée en beauté sur ça. Il a fait relativement bon aujourd'hui, on est toutes trempées parce que bah on s'est baigné dans des eaux diverses et variées. Mais c'était une très bonne journée. Donc voilà, j'espère que ça va bien rendre en vidéo. En tout cas, on finit la journée sur les fumerolles et on verra du coup les autres qui sont à côté du lac. Et puis ma foi, ensuite on retourne à l'hôtel. On va se reposer. Je pense qu'on va aussi retourner en piscine histoire un peu de décanter après une bonne douche là. Ça va nous faire du bien parce que là on est trempé. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et sinon, bah, on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Et je vous laisse apprécier les images suivantes.